L'association Ferdinand, c'est le nom de mon fils qui est mort parce qu'il est monté avec quelqu'un qui avait bu, monté en voiture, et il est mort de ça. Donc, dans ces cas-là, quoi faire, indépendamment de l'incommensurable chagrin, on se sent un peu plus citoyen que d'habitude. On se demande ce qu'on peut faire, voilà. Et à partir de ça, j'ai décidé de m'engager dans cette, en tant que acteur, voilà, qui peut être identifiable par le public à qui il est arrivé une catastrophe, donc que je pourrais peut-être relayer un peu plus fort, en tout cas différemment, le message de sécurité, de faire attention quand on boit, de ne pas conduire, quoi. On a demandé à Olivier Nakache et Eric Toledano de nous faire un film pour la campagne de sensibilisation contre l'alcool au volant, donc chez les jeunes. Et ils ont chopé magnifiquement, ce que j'aime bien chez les deux, Nakache et Toledano, c'est qu'ils chopent l'air du temps magnifiquement, quoi. Et en plus, ils connaissent les jeunes, enfin, ils respirent jeunes, ils sentent jeunes, voilà, ils savent détecter comment fonctionnent les jeunes, ce qu'ils disent, ce qu'ils font entre eux, comment ils déconnent, les jeunes des grandes villes, les jeunes urbains, plus spécifiquement. Voilà, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que ce groupe de jeunes là, qui est mis en scène dans le film, à quelque chose près, c'est les mêmes qu'il y a 10 ans, c'est les mêmes que... Je reconnais mon fils et ses copains, quoi. C'était les mêmes. Hein. Même façon de déconner, même façon de se conduire en société, entre eux, de s'éclater, comme on dit. Et ce qui est génial, c'est que ces cinéastes-là se prennent au jeu et prennent leurs pieds, quoi, en tournant ça. Voilà. Et ça se sent à l'arrivée. Ça se sent vraiment à l'arrivée. On est relayé par les grands groupes de cinéma, Gaumont, UGC, voilà, et tout, France Télévisions, TF1, enfin, donc c'est un film qui va avoir un impact, qui va être vu, qui va être ressenti, qui va être vécu avec l'œil d'un spectateur qui pourrait être influencé, sensibilisé au problème. Je dirais aux jeunes gens qui nous regardent, éclatez-vous, amusez-vous, c'est le moment ou jamais, vous avez l'âge pour ça. Donc il faut en profiter, quoi. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain, mais vivez, c'est-à-dire ne faites pas trop les cons. Et faites attention, picolez pas. Vous pouvez picoler, mais conduisez pas si vous le faites. Et puis si vous pouvez partager le film, voilà, vous aurez fait un geste important pour les autres, ce qui est pas mal aussi, on se sent mieux après.